Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur ce mode Lizard AGM 600, un Big Bag Pack. Donc voilà, vous avez une chargeuse avant, un cadre lève palette, une pelle, un niveleur, un grappin à fumier, un treuil pour les Big Bags, un Big Bag rechargeable. Vous avez voilà, différents big bags, pardon, et la contenance est de 1500 litres. Donc voilà, 1500 litres de semences, d'engrais solides, de chaux, de blé, de nourriture pour cochons, d'avoine, voilà. Et là, j'ai fait exprès de prendre une couleur différente pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, ici on a le big bag rechargeable, le cadre lève palette, les niveleuses, mais il y en a une, elle est différente, je vais vous expliquer pourquoi après. La fourche, le manipulateur de big bag, et puis ben, les big bags qui sont voilà, ici. Bon, ben après tout ce qui est godet, etc., vous savez comment ça marche. Donc voilà, je vais pas tous vous les faire. Je vais juste vous faire voilà quelques big bags. Après, je sais pas comment les Ah. Non, ça va pas. Ah, je pense qu'il faut être. Je pense qu'il faut être de côté pour pouvoir les charger. On va essayer de voir ensemble. Je le teste en même temps que vous, donc je n'ai pas de. Voilà. Il faut être voilà, dans le sens du crochet. Là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça lève nickel. Bon, vous pouvez enlever que un par un. Après, c'est vrai que c'est pratique aussi quand il faut voilà, les mettre sur une plateforme, etc. Voilà, on va pas tous vous les faire. Plus vous lèverez haut, ça videra un petit peu plus vite. Voilà. Bon, pour l'instant, ça, on va le laisser là. Voilà, par contre, vous voyez, ça baigne. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait rien au bout pour que voilà, ça reste droit. Et après, voilà, c'est ce petit niveleur-là que. Ah, il se met au bout de la fourche aussi. Donc, là. Ah non, oui, parce que j'ai pas mis au. Voilà, vous mettez sur Hour. Voilà, il est au bout là-bas.
Voilà, vous avez différents types d'attaches. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais vous expliquer un petit truc. Bon, vous voyez, c'est la niveleuse standard. Voilà, bon, vous voyez, elle baisse même pas à fond. Mais après, le petit truc, c'est pas une niveleuse comme les autres. Donc, une fois que vous allez là, vous avez le choix entre pour créer un champ et abattage d'arbres. Donc avec ceci, voilà. Bon, ben, soit vous, voilà, je vais juste vous le faire là, à peine. Après, voilà, soit vous pouvez créer les champs ou on va essayer de couper les arbres. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, je vous le coupe, nickel. C'est une petite niveleuse, voilà, qui vous coupe vos arbres. Et voilà, et après, ben, bon, c'est pas le top top pour couper les arbres, mais ça peut toujours aider un petit peu. Et après, j'ai trouvé ça sympa de vous faire partager. Voilà, faut juste passer plusieurs fois pour que l'arbre il s'en aille, mais sinon, à part ça va, quoi. Quand même passer plusieurs fois avant que l'arbre soit complètement détruit. Voilà, ben, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit mode. Ben, maintenant vous savez que vous pouvez utiliser la niveleuse, quoi, tout du moins cette niveleuse, pour abattre vos arbres. Après, ça peut être sympa, je vous l'accorde, mais bon, après, c'est pas l'utilité première de ce mode. En tout cas, bah, moi, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!